Je me suis efforcé de capturer les changements constants en blanc tout en esquissant des oies qui battent des ailes. Les traits rouges sont des touches essentielles qui donnent naissance aux oies sur le papier. Il faut être rapide dans ces moments fugaces. Dessiner, c'est comme escalader une montagne de 3000 mètres d'un coup. C'est à la fois épuisant et exaltant. C'est ainsi que le peintre évoque son processus de création. Le feu de bois, le linge séché sur le bateau marquent la vitalité humaine et ravivent ce tableau. L'œuvre « Les oies sur le lac Taihu » de Wu Guanzhong est saluée comme une avancée dans la peinture à l'huile chinoise. Wu Guanzhong est né dans la province du Jiangsu, dans le sud-est de la Chine. Quand il était petit, son père l'emmenait à l'école sur un petit canot de pêche. Les maisons en noir et blanc au bord de la rivière, les ponts pittoresques, les volets d'oies et les rames fendant l'eau l'ont profondément marqué. À l'âge de 17 ans, Wu Guanzhong s'est inscrit dans le Collège national des arts de Hangzhou, la meilleure école des beaux-arts de Chine à l'époque. Un an plus tard, la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise a éclaté. Wu et sa famille ont dû quitter leur foyer pour se mettre à l'abri. Mais sa passion pour la peinture ne s'est jamais dissipée. À l'âge de 28 ans, Wu Guanzhong a intégré l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Les techniques et les idées dans l'art moderne occidental ont frappé le jeune artiste. Mais les paysages brumeux de sa ville natale du sud de la Chine sont toujours restés pour lui l'incarnation ultime de la beauté. De retour dans son pays d'origine, après avoir obtenu son diplôme, Wu Guanzhong a cherché à incorporer l'esthétique moderne occidentale dans la peinture des paysages culturels et naturels chinois, comme son fleuve jaune bien-aimé. Le printemps à la montagne et les villes d'eau au sud du fleuve Yangtze. Il a également dépeint les difficultés qu'il a rencontrées lors de ses voyages. Il se souvenait d'avoir observé la surface marbrée des murs couverts de végétation et avait l'impression d'y entendre les lamentations des personnes qui vivaient autrefois à l'intérieur. En 1974, le peintre de 55 ans est parti peindre sur le lac Taihu, où il a vu une volée d'oies plonger à la recherche de la nourriture jetée par un paysan. La vaste surface des eaux émeraudes ondulait avec les oies flottantes, comme si elles tremblaient avec la chaîne de montagne. Sur une planche de bois de 44 sur 60 cm, Wu Guanzhong s'est lancé dans une aventure audacieuse à la recherche de formes et de couleurs pour esquisser la scène des oies remuant l'eau. D'un coup de pinceau rapide, il a appliqué une variété de blocs de couleurs pour former le corps des oies.
Des points écarlates, apparemment aléatoires, formaient à leur tour les têtes des oies. Les oies devant lui ont fusionné avec celles de ses souvenirs d'enfance au milieu des cris poussés par ces oiseaux. Les traits dynamiques capturent la vivacité de la volée d'oie, tandis que le choix unique dans les couleurs fait ressortir le charme du lac Taihu. Les teintes argentées et grises, bien que peu courantes dans les peintures à l'huile occidentale, évoquent les nuances légères et subtiles du printemps dans les paysages du sud de la Chine. Les forêts brumeuses s'étendent au loin, et la pureté de ces couleurs apporte de la vigueur à la vie autrement ordinaire sur les rives du lac Taihu. Wu Guanzhong est retourné dans sa ville natale de la province du Jiangsu, où le cri des oies, si familier et si attachant, faisait presque partie du dialecte local. Il a exprimé plus tard ses sentiments dans un poème dédié à sa peinture. Le style occidental de la peinture à l'huile que Wu Guanzhong avait appris a tracé la structure de ses créations artistiques. Mais la peinture à l'encre de Chine restera l'âme de son art. En 1992, ses peintures ont été exposées au British Museum, marquant la première exposition en l'honneur d'un artiste chinois de son vivant. 10 ans plus tard, en reconnaissance de son talent extraordinaire, Wu Guanzhong, alors âgé de 83 ans, est devenu le premier artiste chinois à être nommé correspondant par l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France.